Parce que ma part que tu m'as envoyé, les derniers liens que tu as pris, si tu m'as envoyé, je vais t'envoyer en temps infini. C'est dans le gros téléphone, dans l'iPhone. Arrêtez-vous massivement. Un maximum de partage, s'il vous plaît. Taguez-moi Lolo Pipi. Connectez-vous massivement. Merci de partager. Partagez massivement. J'ai à dire, ça ne chauffe pas. Coucou, ma grande soeur chou. La mère des Italiennes, ça ne chauffe pas. Je suis le tonton des Italiennes. Nicole, c'est la mère des Italiens. Je suis le tonton des Italiens. Oui. Comment ça va, non, ma grande soeur chou? Maman, j'imagine le goût de certaines personnes actuellement. Si beaucoup ne dorment pas la nuit. Oh, Nicole et Toby, oh, les pleurs de ça. Maman, je fais un peu de partage. Partagez. Et sous le tonton des Italiens, ça ne chauffe pas. Allez raconter vos histoires. Allez dire que, oh, je suis le tonton d'une petite Italienne. Ça ne chauffe pas. Oh. Donc, dans les jours à venir, là, quand j'entends que Marie aura me déplace, donc elle me paye sûrement les billets d'avion, que va mon tonton qui est là-bas. Vous allez rester pleurer ici. Oh. Elle va me chercher une bonne, quand elle va bien grandir là. Elle va dire que non, mes copines, il y a mon tonton qui est là-bas. Hein. Il doit se marier. Voilà. Elle va dire, tonton, une bonne petite. Hein. Merci pour les partages, ma grande soeur Nicole. Partagez. Taguez-moi Lolo Pipi. Ah, ma f... Taguez-moi Lolo Pipi. J'ai à dire, ça ne chauffe pas. Merci. Maman, oh, les partages. On peut partager comme ça. Hein. Hey, on est à 16 partages. Partagez, ça ne chauffe pas. Partagez, merci vraiment. Les partages là, ont pris l'ampleur par rapport à hier. Vraiment partagez, merci des partages que vous faites. Je vais partager dans la page de la TKC, là, le roi du lion du Sahara. Le lion du Sahara, c'est une page que j'ai eue grâce à la TKC. Donc. Ce sont eux qui ont fabriqué la page, là, c'est monté à 1000. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Vous connaissez comment je suis moi, trouvé dans ma vie. C'est pourquoi la photo de ma pépé. On est déjà à 21 partages. Merci beaucoup pour les partages, vraiment. Merci à tous ceux-là. Mettez aussi les cœurs en même temps. Merci, vraiment, les partages sont en train de monter. Merci, Fortune Manassé, pour les cœurs. Voilà. Pipez-moi, pipi. Voilà. Déjà. En même temps aussi je contrôle parce que quand quelqu'un peut me faire un mauvais commentaire là je vous connais Toby je n'ai pas chiche hein? En même temps aussi je contrôle taguez moi Lolo Pipi ah meuf ah c'est le tout c'est le vrai tout et ma merci pour les partages vraiment merci des partages taguez pipi on commence. Bon, merci vraiment. Oh, merci ma grande soeur Marie au Nico Ketchum. Merci, merci, merci pour la force, ma grande soeur. Et ça qui est ça. Et partagez parce que vous savez qu'il y a le code promo de Nicole qui est là. Bio 237. Ça ne chauffe pas. Donc, les mamounes et les tontos, les tatas qui sont là, quand vous voulez faire les envois, tatas c'est nos pays, pensez à utiliser le code promo de Nicole. C'est bénéfique pour elle, comme c'est bénéfique pour vous, et c'est bénéfique pour la personne qui reçoit l'argent. Donc, c'est le gagnant-gagnant. Tu n'utilises pas pour rien. Toi-même qui utilises, tu as des bonus. La personne même qui reçoit a des bonus. Et ça ne chauffe pas. Taguez-moi Lolo Pipi. Je vais un peu être cru ce matin. Hein? On va commencer par la Genèse, Pipi. On va commencer par la Genèse. Pipi, tu as commencé ta guerre ici.
avec ton, avec ta co, ta yam, comme tu dis que c'est ta yam, tu as commencé la guerre avec ta yam ici. Mm-hmm. Tu n'avais jamais, tu n'étais jamais arrivé au niveau où elle est arrivée avec toi. Est-ce que tu entends? Yam a dit qu'on a raclé, donc que ta mère, on a raclé, donc on a raclé le corps de ta mère au goudron. Donc le camion a écrasé ta mère et on a que le camion a écrasé ta mère et on a porté ta mère avec la pelle. La pelle, ta mère. Pipi, c'est bien parce que aujourd'hui, vous êtes en train de montrer à tout le monde que vous êtes des feignantes, une bande d'incapables. Vous êtes en train de montrer aujourd'hui, vous voulez montrer aux gens aujourd'hui que c'est compresseur qui était la plus mauvaise. Tu es toujours à 23 vues depuis là, il n'y a pas de problème. Tu es la 24e vue. Pipi, aujourd'hui vous voulez montrer que c'est ma pépé qui est la mauvaise. Mais il y a une seule chose que vous oubliez. Que en partant combattre une personne qui est vraie, même Dieu l'élève. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait envers ma pépé. Il est en train et il va faire plus que ça envers ma pépé. Ma pépé, c'est une femme qui a de la patience. C'est cette patience-là qui amène ma pépé là où elle est en train de partir. Vous êtes les numéro 1 de Facebook. Vous êtes les stars de Facebook. Mais voici une personne que vous dites qu'elle n'est pas star, qu'elle n'est rien, qui s'est retrouvée à la présidence. Depuis que vous êtes dans Facebook, dans les réseaux sociaux, qui d'entre vous a seulement reçu qu'on dit qu'on te feinte même qu'on dit que Orange t'envoie le. Donc, un faux message même que non, la présidence. Oui, qui a déjà reçu? Personne. Compresseur va vous dépasser aujourd'hui, demain et après-demain. Toi, Lolo Pipi, tu t'es assise ici avec ta petite soeur. Vous avez monté, donc vous étiez en pleine guerre. Vous étiez en guerre contre Ngoï. Vous étiez en guerre avec elle. Parce que vous étiez en train de pleurer l'amour. On vous a dénigré. On a porté vos parents dans la sauce d'arachide. On a nommé ton père le commissaire de Menualak à Yaoundé. Et ça veut dire en français le commissaire pisseur. Donc quand je dis le commissaire Menualak, ça veut dire en Yaoundé que, en Béti, que le commissaire des urines, le commissaire pisseur. On a nommé ton père le commissaire pisseur. Ça ne t'a même pas dérangé. Oui, ça ne t'a pas dérangé. Maintenant, aujourd'hui, comme ma pépé ne vous calcule plus, elle n'a plus votre temps. Parce qu'il faut dire, moi je parle seulement comme un. Moi je parle seulement comme un. Comme je vois, hein, je ne fais pas le derrière. Mm-hmm. Vous vous focalisez. Bon, on va aller pas à part avant de continuer. Vous dites que le gouvernement a envoyé Lolo Pipi à la CAN. Bon, Lolo Pipi est parti à la CAN. Quelle était l'image de cette quelle est l'image qu'elle allait montrer à la CAN? Quelle est l'image que Lolo Pipi est allé montrer à la CAN? Ne confondez pas la CAN et la présidence. Moi, je préfère aller à la présidence que d'aller à la CAN. Je préfère aller à la présidence que d'aller à la CAN. Elles sont parties à la CAN. Qu'est-ce qu'on a vu? Elles ont fait la bordellerie dans toutes les chambres des sponsors. Tous les sponsors ont couché le Lolo Pipi. On les a mis à tabac. Ça nous a trouvé sinon. Tous les sponsors les ont mis à tabac. Ma Pépé n'est pas une femme de la populace. Regardez seulement le style vestimentaire de Maman Pépé à la présidence. C'est normal qu'un homme bien cogné à sa porte pour demander un mariage. Toi, Lolo Pipi, tu t'es retrouvé ici en train de faire les stages de mariage. Tu t'es retrouvé en train de faire les stages de mariage. Tu as fait un stage de 13 ans et de 15 ans.
seulement pour les stages, le mariage que tu as fait là. On doit connaître, on connaît à ton, on doit, on n'a même pas besoin de réfléchir sur ton âge. On n'a pas besoin de réfléchir sur ton âge, pipi. On n'a pas besoin de réfléchir sur ton âge. Oui, on n'a pas besoin. Regarde ta vie aujourd'hui. Lolo, pipi, regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ta vie. Donc aujourd'hui, tu es devenu l'esclave de la personne que tu as appelée Lélé. Regarde ta vie. Tu penses que Compressor peut se lever et être Tinda? Compressor a dit non au Tindaïsme. Voilà pourquoi elle vous a fermé comme un livre. Un livre de 12 épisodes. Elle vous a fermé. Oui, il faut dire la vérité. Pipi, tu t'es levé pour être Tinda de la soi-disant Lélé. Regarde ta vie aujourd'hui. Misérable fille que tu es. Poisseuse. Même ta télé, c'est la télé des funérailles. C'est une télé qu'on doit allumer pour parler des funérailles. Ce n'est pas une télé qui peut, on peut se lever et on est valorisé. Par rapport à quoi? Non, mais franchement, après tu vas dire qu'on ne te soutient pas. On ne t'apporte pas de soutien. Ou les gens sont contre toi. Mais c'est normal. Tu es d'abord une poisseuse. Mais va te laver au village. Va te laver au village, pipi. Va te laver au village. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde tes pauvres parents. Comment ils sont en train de pleurer là où ils sont. Tu as vendu la maison familiale. Tu as vendu les biens. La souffrance de tes parents, tu as vendu. Pour aller nourrir les hommes. Pour aller nourrir les hommes. Les hommes qui ne t'ont rien apporté. Les hommes qui t'ont déposé au carrefour. Regarde ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te moques de la reine mère bio. Tu te moques de Compressor. Ce sont des femmes au foyer. Ne te compare plus jamais à Compressor. Je te dis la vérité aujourd'hui. Regarde seulement Otam, qui t'a attaché comme une chèvre de sacrifice. Regarde Parafodia, qui est retourné chez sa femme. Tous les hommes avec qui tu as dormi sur le lit t'ont déposé au carrefour, si je savais. Pose-toi les questions. Tu fais 13 ans avec un homme, 15 ans avec un homme. Il se lève un matin, il saute par la fenêtre, il part. Et tu vas venir parler à Perpétu. Mais regarde la vie de Perpétu, regarde ta vie. Quel est l'homme qui est venu même seulement faire semblant d'appuyer à la sonnerie de ta porte pour qu'il va te demander un mariage? Qui? C'est toi qui nous avais menti ici que quand tu t'avais parlé par Fodja, qu'il travaille dans les bureaux. Après, on a su que non, c'est un parent chantier, c'est un chef chantier. Je ne me vois pas de son travail. Mais je dis la vérité. On s'est retrouvé, on a commencé à voir qu'il est chef chantier. Que c'était un chef chantier, il était manœuvre au chantier. Excusez-moi pour le lapsus. Un manœuvre au chantier. Pipi, quand tu t'assois, tu fais un peu le bilan de ta vie. Mets tes genoux en prière, tu pries. Mets tes genoux à terre, tu pries, le Seigneur. Tu demandes que qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie. Vous qui m'insultez en commentaire, là, c'est ma page. J'ai le droit de dire ce que je veux. Donc, insultez-moi. On vous a dit, ne venez plus là où on lave vos patrons, vous ne comprenez pas. Vous, les abeilles qui m'insultez là, vous m'insultez là maintenant. Bon, franchement, vous faites quoi dans ma page? Vous faites quoi dans ma page? On vous a dit de partir chez les gens. J'ai dit, comme Nicole a dit, je vous répète encore ça ici. Je ne veux plus voir les abeilles dans ma page. Allez rester dans votre page. C'est quoi? Oh, on peut pleurer Tommy Chou comme ça. On peut pleurer Tommy Chou. Vous allez prier. Je suis celui-là qui connaît, vous mettre le bim. Je vous donne le bim quand je veux. Le bim. Allez chez vous. Vous avez les généraux qui ont la bouche, non? Qui clashent, non? Allez écouter les clashs de vos généraux. Laissez les Sarois et les Saroises et la TKC ici. Avec la Nicole Fan. Laissez-les là. Ils sont chez eux ici. C'est quoi? On vous laisse là-bas chez vous. Vous venez encore insulter la TKC. Est-ce que la TKC vient chez vous? Est-ce que les Sarois partent chez vous? La Toby Gang vient chez vous? Ils ne viennent pas chez vous? C'est quoi? C'est quoi avec les injures en commentaire? Vous insultez la TKC dans leur page. C'est la TKC qui j'ai ici, qui commande ici. Allez chez vous. Allez chez vous.
Ce n'est pas une obligation. C'est quoi? Vous arrivez dans une page, comme vous avez dit que ne partez plus là où on parle de vos patronnes. Vous venez ici là, sauf faire le malin, insulter Nicole. Elle m'a insulté. Attendez, je vais bloquer la tête de mort. Je lui ai dit que. Il a fait vos mamans là, pas dans ma page. Attendez, je vais bloquer la tête de mort. Je vais bloquer ici. Attendez, je vais bloquer. Il y a une personne qui a mis la tête de mort là. Attendez. Attendez, je vais les traiter là maintenant. Attendez. Je vais les bloquer. Celles qui se marient là, celles qui ne sont pas en quoi, dépassent celles qui ne sont pas en quoi. Au moins, l'homme l'a valorisé. Elle a valorisé que vos poubelles que vous appelez patronne. Oui. Au moins, c'est compris, on l'a valorisé. Ça prouve au moins que l'homme là connaît, il a trouvé comme une bonne femme. Oui. Je vais bloquer le tête de moi, attendez. Et quand il bloque là, vous ne venez plus. Si vous connaissez, non, quand il bloque, ça fait mal. Au goût, attendez. C'est qui là? Ou c'est Massanjon? Attends, je vais te bloquer. Le cul de ta mère d'abord. Et là, comment je te bloque? Regarde. Et là, comment je te bloque dans ma page? Voilà. Si tu es abeille, tu mets les têtes de moi. Si tu es bloqué. Voilà. Maintenant, tu vas aller maintenant créer un autre faux profil. Vous allez dire qu'on ne fait pas ça. Chez moi, on ne manque pas le respect. Allez manquer le respect là où vous voulez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs sécurisés. De toute façon, on me signale. Non, mais franchement, vous voulez parler de quoi à compresseur? Vous voulez dire quoi à compresseur? Mais franchement, regardez la vie de compresseur aujourd'hui. Regardez compresseur. Regardez la vie de vos patronnes. Regardez leur vie. Poisseuse. Le tindaïsme. Aucun homme ne peut valoriser, c'est déjà les vieilleries. Regarde Lolo Pipi. Si Otam, qui t'a fait les fantasmes, qu'on dit qu'une femme qu'un homme a le droit de faire tous les fantasmes, c'est une femme qu'un homme épouse rapidement. Oui. Si on a pu t'accrocher les pieds, donc il a dit, on a pris ton pied, on l'a envoyé à la Damawa, l'autre pied, on l'a envoyé au littoral, ça veut dire que l'homme là pouvait rester avec toi, Pipi. Un homme que tu donnes toutes les positions, il te quitte après 15 ans. Et la relation des épis de maïs. Et Seigneur, Pipi, regarde ta vie. Regarde, avec ta petite soeur qui a la peau du caïman, celle la rêve Mbinda. Regardez un peu vos vies. Regardez un peu vos vies. Toute votre team, c'est une team de poisseuses. Regardez. Pipi est devenu Tinda, Mbopi, devenu SDF, Flo de Lille, elle-même, la patronne des Roupéro. Elle-même, elle est devenue encore Roupéro. Donc, pendant que Flo de Lille est Tinda derrière Ma Pépé, Lolo Pipi est Tinda derrière Ngoy. Regardez la chaîne, hein. Mbopi est devenu Boniche, SDF Boniche, dans la maison. Une fille qui a accès, qu'on a interdit l'accès à la cuisine. Regardez un peu comment votre team est en train de tourner. Regardez un peu bien. Deko Mamogo, Tinda, de la pisseuse. Donc, pendant que Lolo Pipi est Tinda, toi-même tu es Tinda. Regardez comment la chaîne la suit. Regardez bien la chaîne. Regardez bien cette chaîne. Regardez bien cette chaîne. Lolo Pipi. Tu es une fille maudite. Pipi, tu es une fille maudite. Tu as raté ta vocation. Je dis encore à tout le monde qui est ici, n'allez pas donner les vues à les histoires qu'ils appellent émissions. Parce que même moi-même, si on ne me verra pas là-bas, on a les lives de soulèvement qu'on va commencer, Nicole et moi, à TikTok. Quand on parle de soulèvement, c'est pour Maman Pépé. On va commencer les lives de soulèvement pour Maman Pépé. Donc, on n'a plus le temps d'aller écouter les histoires et les paroles de Congo ça pour ça. Ils vont couper et on va se renchérir là-bas. On ira regarder dans les paroles de Congo ça. Je ne sais pas ce qu'on va aller voir là-bas qui va changer nos vies. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Regardez Flore de Lille. Regardez un peu Flore de Lille. Flore a raté sa vocation. Flore est devenue aujourd'hui l'ombre d'elle-même. Lolo Pipi, Tinda diplômée. Elle est aujourd'hui diplômée dans le tindaïsme. Elle est aujourd'hui diplômée dans le tindaïsme. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Regardez le diamant bleu. Compresso mérite son nom. Ça prouve au moins ce que Compresso ne perd pas son temps dans les réseaux sociaux. Vous voulez qu'on on vous parle comment? Ça prouve au moins que Compresso ne perd pas son temps dans les réseaux sociaux. Oui. Ça prouve au moins que Compresso ne perd pas son temps dans les réseaux sociaux. Lolo Pipi, aucun homme ne l'a assumé. Chacun a fait son stage de vie, on reste les parties. Flore de Lille même, aucun homme n'a feinté même dans la vie. Même les avions qu'elle prend là tous les jours, là pour aller au Cameroun. Elle est partie au deuil de Samuel Eto'o, du père de Samuel Eto'o. Avec tous les personnalités qu'il y avait là-bas. Personne ne l'a regardé. Personne n'a osé mettre les yeux sur cette grosse chose. Lolo Pipi ne peut pas aller au Cameroun parce que Machang n'a pas encore levé sa plainte. Oui. Machang n'a pas encore levé sa plainte. Voilà pourquoi Pipi ne peut pas aller au Cameroun. Pour le moment. On est en train de supplier Machang qu'elle retire la plainte. Que Soussou. La peur dans le ventre. La peur dans le ventre. Arrête de dire que tu écris bien. Lolo Pipi, je ne te reconnais pas comme une fille de chez nous. Tu n'appartiens pas à l'ethnie Betty, je suis désolé. Tu n'appartiens pas à l'ethnie Betty. Encore pire, même à l'ethnie Sawa. Moi, je suis un Sawa Betty confirmé. Confirmé de père et de mère. Oui. Ton père était commissaire à Baganté. Il allait acheter le. Comment on appelle là? Il allait acheter la maison à Kribi. Tu dis que tu écris bien. Tu écris bien dans quoi? Tu écris bien avec quoi? On peut régner sa tribu comme ça. Hein? On peut régner le fait d'être Baganté comme ça, hein, maman. On peut régner le fait d'être Baganté. Pipi, ou no bichem. Uno Bichem, Pipi, regarde-toi aujourd'hui. Tu es l'ombre de toi-même. Moi, que tu vois ici, je ne peux jamais accepter d'être Tinda d'une bouffonne. Quand elle dit la bouffonne, tu connais qui est la bouffonne. Parce que Flore de Lille, c'est une bouffonne. Tu es Tinda d'une bouffonne. D'une femme qui n'a pas assumé. Mais franchement, quand elle veut trouver du malheur, regardez Compresso. Compresso est naturel de la chevelure à l'ongle de ses orteils. Regardez donc de la tête. Là où le corps humain commence. Compresso est naturel de la tête aux pieds. Parlons vrai. Flore de Lille n'a pas pu assumer sa morphologie. Ça veut dire que Dieu l'a mal créée. Parce que quand tu vas couper le corps, tu changes les parties sur toi. Elle a tout coupé sur elle. Ça veut dire que Dieu l'a mal créée. Les lèvres même. Elle est partie refaire les lèvres. Je croyais même qu'elle allait refaire les lèvres, elle allait être belle. Elle a gaspillé l'argent en zéro. Elle a pris l'argent des cons qu'on appelle les abeilles. Elle s'est retrouvée aujourd'hui au carrefour ici, je savais. Au carrefour ici, je savais. Regardez vous-même aujourd'hui. Regardez. Vous parlez aujourd'hui de la vie des gens. Vous dénigrez la vie de ma pépé. Vous dénigrez la vie de Nicole. Ce sont des binguistes. Je vous ai dit, je vous répète encore ici, la bande des totos qu'on appelle les lolomaniocs et les abettes, allez cotiser, faites monter la passoire qui est au Cameroun, la SDF reconnue. Enlevez votre SDF au Cameroun. Enlevez-la au Cameroun. Essayez un peu de... J'ai compris, Waris avait dit que c'est lui qui a acheté les chaises à Lolo Pipi TV. Mais
S'il vous plaît. Essayez un peu de les abeilles là. Essayez un peu d'arranger les vies de vos patronnes. Compression n'est plus à leur niveau. Je suis désolé. Compression n'est plus au niveau de vos patronnes. Compression n'est plus au niveau de vos patronnes. C'est le jour et la nuit. Compresso, c'est une femme présidentielle. C'est pour dire qu'elle a épousé un homme qui a les gènes, qui a les caractères de la présidence. L'argent du biais de Mahana, c'est ça qu'on est parti faire les lèvres avec. Vous avez vu ici. On est parti refaire les lèvres avec. On a fait les lèvres ici, on a montré. Le jour là, les lèvres étaient en fait. Les abeilles choux. Les abeilles choux. C'est tellement pourquoi on a fait ça ici, non? Qu'on a coupé les lèvres, on a refait la bouche. Moi, ce qui me dépasse encore dans tout ça, c'est Lolo Pipi. Lolo Pipi, you know be shame, ma. You know be shame. Pipi. Donc tu dis vrai. Hey. Donc, le jour qu'on a lavé ta main ici, qu'on a porté son corps avec la pelle, Madame Diaye, on dit qu'on a porté son corps au goudron, on a raclé comme ça. Donc, on a raclé. On dit qu'on a raclé le corps de ta mère par terre avec la pelle. Ce moment-là, ta petite soeur a mis le corps de ta mère sur le chauffage, la photo. Sur le chauffage. Donc, tu chauffais le corps de ta mère. Même ta mère doit elle dit souvent que ma chance. Lolo Pipi, même ta mère dit que ma chance. Qu'elle a accouché, qu'elle a poisse. Non, mais franchement. Mais franchement. Ta mère est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Ta mère est en train de pleurer. Que ma fille, tu peux refaire la paix avec qui? Quelqu'un qui a dit que moi, ta mère, on a porté mon corps avec la pelle. Tu m'as mis sur le chauffage. On a lavé le corps de ta mère ici. Tu as fait le deuil que sur le chauffage. Avec ta petite soeur. Maman. Avec la paix au goudou. Hey, maman. Hey. Maman, la photo de sa mère était dans tout genre de place. Eh bah, ben les chauffages. Oh. Eh bah, ben les poitrines. Oh. Maintenant, comme ils ont refait la paix, la dépouille, on a oublié la dépouille de sa mère. Elles ont oublié la dépouille. Donc, les photos du corps de sa mère, elle a oublié. Elle a oublié. Ça veut dire que, donc quand Goy la lavait, elle s'est souvenue que non, sa mère était importante. Maintenant que Goy l'a repris, comme Tinda, elle a abandonné sa mère. Ah, pardon, partez avec les bêtises là-bas. Regarde sa vie aujourd'hui. Toi, Pipi, ton petit, tu dis que ton grand frère est commissaire au Cameroun. Le commissaire des oiseaux. Hein? Mon grand frère est commissaire à Boya. Et puis tu as peur d'aller au Cameroun. Mais va au pays, non. Va au pays. Va au Cameroun, on voit, non. Mon grand frère est commissaire à Boya. Hein? Ton grand frère. Et tu as peur d'aller au pays, ma. Pauvre l'autre que tu sois. Moi, une pauvre l'autre. Tu es pauvre. Donc, tu as dit, ta vie même est en carton. Ta vie est remplie de mystères. Ta vie est fait de cauchemars. Pipi, ta vie est fait de cauchemars. Tu es encore dans un rêve où tu n'arrives pas à te réveiller. Tu es dans la bouteille d'une bouffonne au nom de Ngoy. Ngoy t'a mis dans sa bouteille. Tu vas caler dans la bouteille là toute ta vie. Personne ne va t'enlever là-bas.
tu vas caler dans cette bouteille. Parce que tu mérites la place de Tinda. Pipi, regarde ta vie un peu. Non, mais franchement, quand tu fais le bilan de ta vie, Lolo Pipi, quand tu fais le bilan de ta vie, tu ne te poses pas les questions? Tu ne te poses pas les questions que qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc tu dis vrai que la tombe de tes parents, aucun homme n'ira verser le champagne là-bas? Toi, voilà, bientôt tu pars à 61 ans, c'est 61 ans qu'on appelle. Donc aucun homme n'ira verser le champagne sur la tombe de tes parents? Non, mais j'hallucine. Donc, aucun homme n'ira verser le champ, le ouvrir le vin comme ça. Hey! 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 Regarde comment j'ai pitié pour toi. J'ai pitié. J'ai tellement pitié de toi. Dis que, ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché avec la femme sinon? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec elle? Lolo Pipi, j'ai pitié de toi. Quand je regarde ta vie, tu as raté ta vie. Tu as raté ta vie. Tu es une fille ratée. Tu es une femme ratée. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Même Nicole, que vous insultez tous les jours, elle te dépasse. Moi, je n'ai pas connu Nicole, qu'elle a fait deux stades de mariage de 15 ans et de 13 ans. Tu as fait un premier stade de mariage de 15 ans. Ça n'a pas donné. Tu as encore allé faire 13 ans avec un autre homme. Hein? Regarde ta vie un peu. Regarde un peu ta vie. Mais tu es raté. Quelle éducation tu donnes à l'enfant que tu es chez toi? Tu la donnes quelle éducation? Tu donnes quelle éducation? À la cuisine même, on ne te voit jamais préparer. La seule fois que tu as voulu faire plaisir à un homme à la cuisine, tu as fait le coquin avec les poivrons et les poireaux. Ta yam là, ta yam, que tu quittes comme ma yam aujourd'hui, là, elle t'a ri ici au moins pendant un mois. Tu as fait le coquille avec les poivrons. Mais que la mise vers les pépés, le poivre blanc, dans le coquille. Dans le coquille, pour vouloir faire plaisir à un homme. Et ce moment-là, il a chié, même si c'était moi. Le genre qui l'a chié là, Pipi, même si c'était moi, j'allais fuir le mariage. J'allais fuir le mariage. Tu n'es pas le style de femme qu'on peut amener à la mairie. Jamais. Je suis désolé de te dire cela aujourd'hui. Même le clochard ne peut pas t'amener à la mairie. Ni encore aller frapper ta porte. Seulement frapper la porte pour dire que je viens prendre. Tu as d'abord une famille déserte. Ta famille d'abord, c'est une famille de 4 personnes. Hein? Pipi, regarde ta vie. Regarde, pose-toi les questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie? Pose-toi ces questions. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? Non, mais franchement, tu as quel âge? Tu as quel âge aujourd'hui? Même ta Dorcas là, ton ancien général te dépasse. Même Dorcas te dépasse. Dorcas vit avec un homme qui l'a amené à la mairie. Reine-mère Bio a fait l'anniversaire surprise à son mari. Pendant que vous faites les histoires de elle avait son homme. C'est son mari. Une femme qui a un peu a le droit de mettre son mari à l'aise. Parce que c'est un homme, c'est lui là qui t'a valorisé. Voilà pourquoi quand compresseur est en cuisine, elle prend tout son temps de faire à manger à son homme. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Quand compresseur est en cuisine, va prendre les cours de cuisine. Essaye un peu de prendre les cours de cuisine. La cuisine, tu es nul. Le ménage même, tu es nul. Tu es nul dans toutes tes formes. Pipi. Tu es la seule femme qui connaît qu'elle s'assoit en direct et pisse. Tu n'as pas les pipis. Tu as une maladie qu'on appelle les fuites urinaires. Bonjour Toby, le frère garçon qu'on jalouse pas. Les vieux bangaman qu'on est jaloux. Non mais franchement. Franchement.
Pipi, regarde un peu ta vie. Pose-toi les questions. Donc tu dis vrai que tu vas finir Tinda toute ta vie. Donc tu es condamné à être Tinda toute ta vie, ma. Donc tu es condamné à être Tinda. Eh, vraiment, la terre est sale. Voilà l'enfant. Voici l'héritier. Comment on appelle? L'aîné d'une famille partie en péril. C'est normal. Ta vie a raté parce que même temps, même dès ton enfance, même ça a raté. Ça a raté. Tu as raté ta vocation. La bordellerie, tu as appris les gènes de ta mère, la bordellerie. Ta mère était une ancienne grande bordel. Paix à son âme. Ta mère était une ancienne grande bordel. Le père de Rêve Mbinda, ta petite soeur. Oui. Ta petite soeur Rêve Mbinda avec qui tu as le cas de 2 ans. Parce que c'est une vieille fille. Tu as le cas de 2 ans, toi et elle. Ta mère a fait l'enfant. Elle allait faire l'enfant dehors, étant dans le mariage. Elle allait porter l'enfant dehors avec un homme qui est bien noir. Noir, toi, Rêve Mbinda, comme elle est noire. Son père était noir. Son père vit encore. Lui, son père, elle, son père vit encore. Oui. Le père de Rêve Mbinda vit encore. Elle a tout repris son père, parce que son père est un pauvre. Il vend le poisson à Kribi. Le père de Rêve Mbinda, c'est un pêcheur à Kribi. Il a eu la mère de Lolo Pipi dans avec le poisson, le filet de poisson. Il a mis le poisson à la maison. Il a amené le poisson. Elle mangeait le poisson. Une femme qu'on a pris avec le poisson. C'est normal que ses enfants, sa vie va en péril comme ça. C'est normal que la vie de ses enfants va en péril. La mère de Lolo Pipi était une grande prostituée. Elle faisait la bordellerie pour le poisson. Les fruits de mer. Voilà pourquoi le père de Rêve Mbinda lui a donné le bélec. Bim! Bim! Elle a mis ça sur le commissaire pisseur. Quand le commissaire pisseur a su que sa femme a bordé, il était un peu malade. Il était un peu fatigué. Mais malgré ça, il a assumé ça sur lui. Il y avait un temps, il avait mis la mère de l'eau pipi dehors. Il avait mis dehors. Avec sa grossesse. Il avait mis la mère de pipi dehors avec sa grossesse. Grossesse indésirée. Alors si ta mère a pu être une grande prostituée comme ça, ta mère a été une grande bordel. Pipi, ta mère était une grande prostituée. Tout le monde connaît. Celle-là qui parle souvent là. L'autre single avec qui vous avez grandi là. Elle dit la vérité. Hein? Elle dit la vérité. Qui n'a pas connu ta mère? Ta mère était l'une des plus grandes waka de Akribi. Tous ceux qui te connaissent peuvent venir témoigner ici. Qui n'a pas connu ta mère? Ta mère était une maman tireuse de valises. Ta mère faisait la bordellerie pour le poisson. Pour avoir, à l'époque là, pour avoir la mère de pipi. Et que tous ceux qui la connaissent, ça nous avait trouvé ici. Ta mère bordait pour le poisson. Les fruits de mer, les crevettes. Petit filet de poisson comme ça, ta mère a écarté les pieds. Ouais. Elle a écarté les pieds. La personne qui a fini avec ta mère, c'est une femme chrétienne. Je veux te dire la vérité aujourd'hui. La femme qui a fini avec ta mère, c'est pas ta mère sortait avec son homme. Ta mère n'est pas morte de la maladie. Il faut que tu dises la vérité aujourd'hui, pipi. Ta mère n'est pas morte de la maladie. Ta mère n'est pas morte de la maladie. Oui. Elle n'est pas morte de la maladie. C'est une cribienne qui a fini avec ta mère. Parce que elle était son mari. Et à Kribi, ça ne joue pas. Les filles de l'eau ne blaguent pas. Quand tu étais une bamleke à Kribi, il faut qu'elle donne les noms comme ça se doit. Une bagante à Kribi. Ta mère est partie faire la bordellerie. Sortir les maris des gens à Kribi. C'est normal que le Kama l'a pris. Paix à son âme. Mais en même temps, ça m'arrange aussi. Je me la coule douce. Parce que vous insultez les parents des gens tout le temps ici. Vous vous moquez des parents des gens. Ta maman est morte à cause de la prostitution. Le Mbangala. C'est le Mbangala qui a fini ta mère. C'est une cribienne qui l'a envoyée. Que ta mère travaille au Congo jusqu'à maintenant. Elle n'est pas morte la mort. Comme on dit que tu es mort, tu meurs normalement. Dans le temps que tu peux à venir insulter ma pépé, mets à tes genoux à terre, tu pries que ta mère vraiment, elle meurt là où elle travaille là-bas. Mais pour avoir une vraie mort. Elle n'est pas morte. Ta mère n'est pas morte. Ta mère n'est pas morte. Elle est en train de travailler.
Le karma, c'est une cribienne qu'il a envoyée devant. Peut-être vendre le poisson, qui sait. Peut-être elle a commencé à vendre le poisson là-bas. Et laisse-moi te dire que là-bas, quand tu travailles là-bas, on te fouette. Hein. On te fouette, tu ne dors même pas. Tu m'as dit qu'il devait mourir au désert. Mais je suis immortel pour le moment ici. J'ai encore un long passage à faire. Pipi, j'ai fait un rêve. J'avais fait un rêve, dit non. Que ta mère pleure. On la fouette avec les feuilles du tarot. Le moukekele, les feuilles du bananier. On retire les feuilles là. Le fouet qui est là. On fouette ta mère avec le moukekele. On fouette ta mère avec le moukekele. Ta mère pleure dans le. Elle pleure. Elle dit Toby, vraiment, dis à Lolo Pipi, dis à cette fille, elle me déçoit. Je sais pas si que j'ai accouché comme ça. À Toby, oh, ouais, à Toby. Elle dit que, ouais, maman, tu sais que tu as accouché une feignante, c'est de ma faute. Et le pire, c'est que sa petite se mine dans le papa du conseiller. Et regarde la vie de mes enfants. Et hey, Toby, oh, ouais, il dit que, ouais, la mère. Est-ce que tu veux maintenant pleurer chez moi? Elle et moi, on est parentés. Non, mon fils, je passe par toi parce que tu es un ange. Ma fille avait la bordellerie. C'est vrai que moi, sa mère était une ancienne bordel. Mais j'ai laissé la bordellerie. Moi, voici, je vends le poisson. Ça, on me fouette tout le temps. Ta mère vend le poisson dans le con. Pipi, ta mère est dans le con en train de vendre le poisson. Son mot de passe, chaque matin, midi, soir, c'est bastonnade.com, un coup, quatre bosses. La mort que tu m'as souhaité au désert là, si tu parlais comme ça, la mort là, je retourne ça chez toi et je te dis de prier afin que ta mère puisse mourir là où elle travaille le con. Ta mère est en train de travailler le femme là. Ta mère travaille le femme là, le mbangala, le salaire du mbangala. Ta mère est en train de travailler le salaire du mbangala. Elle est arrivée dans un village à Kribi, commençait à partager les fesses partout pour le poisson. Oh, je suis belle. Ma mère était belle. Belle dans quoi? La bordellerie. La bordellerie. Ce que tu as enterré là, ce n'est pas ta mère que tu as enterré. Tu dis la vérité aujourd'hui. Donc laisse ton temps que tu perds sur ma paix avec tes analphabètes là. Ta mère que tu as enterrée, ce n'est pas elle que tu as enterrée. Tu as enterré un cadavre virtuel. C'était un enterrement virtuel. Tu as fait un enterrement virtuel. Ta maman, ta vraie maman qui t'a accouchée n'est pas morte. Elle travaille le con. Ça peut être que même tu peux sortir contre le Gabon. Tu as toujours ta mère en train de vendre le poisson au Gabon. Oui. Ta mère d'un pays d'Afrique en train de vendre le poisson. Le Kama du Bangala. Tu peux voyage là où tu es là. Fais les voyages. Va en Guinée, va au Gabon. Tu vas trouver ta mère. Parce qu'on m'a dit dans le sommeil que ta mère, elle est emprisonnée dans une plage en train de vendre le poisson. On l'a enlevée à Kribi parce qu'on pouvait la remarquer. On la connaît à Kribi. On a envoyé ta mère là où on ne connaît pas. Ça peut être au Gabon là-bas qu'on l'a envoyé. Peut-être ma Bonabéry, là où Flo a construit, là où c'est Oranga l'a construit, là où elle habite là-bas. Parce qu'il y a l'eau là-bas. Donc, essaye de fouiller toutes les places du Allo au Cameroun. Tu vas retrouver ta mère. S'il n'y a pas, va au Gabon. Va au Gabon. Ta mère est en train de vendre le poisson. Et pendant ce temps, tu viens insulter les gens. Oui. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qui arrive quand on a une maman prostitute. Voilà ce qui arrive quand on a les parents prostitutes. Ton père même est mort du sida. Ton père a donné le sida à ta mère a donné le sida au village. Pipi, tu vois ta vie. Ton père, le commissaire, dit ici, là, devant tout le monde, si tu es une femme, dis la vérité que mon père est mort du sida et il a partagé ça à ma mère et ma mère maintenant a partagé au village. Ta mère allait partager. Voilà pourquoi on l'appelait les cuisses légères. On l'a donné pour le poisson. Son père nous a trouvé ici parce qu'on ne parlait pas, hein, mais on connaît, on est informé. Ta mère écartait pour le poisson frais, les belolos, le kilo ça a 1200. 1200, ta mère écartait les pieds pour 1200, le kilo de poisson 1200, les petits poissons là, 1200. Et le poisson là est sucré jusqu'à quand tu mets le piment beaucoup avec le sel et le cul, maman, tu assaisonnes ça. Hey, ça a un goût, hein. Le bouillon frais avec ça,
Mais c'est normal qu'elle écarte les pieds. Pour 1200, ta mère écarte les pieds. Pardon, ça. Bah, les 1200 qui a amené ta mère là où ça l'a amené. Ta mère encore le vendre le poisson dans les plages. Pipi, ta mère vend le poisson dans les plages. Elle n'est pas morte. Assieds-toi aujourd'hui, tu écoutes mon direct et mets ça dans ta tête que ta maman n'est pas morte. Moi, je vois et je te dis. Je t'avais parlé une fois pour ta maman. Tu as dit que non, ça c'est vrai. Moi, je ne connaissais pas qui était ta mère personnellement, mais je t'ai dit le rêve que j'ai fait. Je t'avais dit, j'ai appelé rêve ce jour. Elle m'a testé à 4 heures. J'ai parlé. J'ai décrit. Vous avez dit que c'est vrai. Et ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la blague. Donc, comme je te redis encore aujourd'hui, ta maman est en train de travailler le con. Elle n'est pas morte. Elle travaille, le femme là, pour rembourser ce qu'elle a fait. Elle n'a pas le repos, elle ne dort pas. On la fouette. On la chicote. On la donne les coups de fouet. On la dose les fesses, les bicanes. On la chicote. Regarde ta vie. Regarde. Fille de commissaire zéro. Ton père était un commissaire zéro. Si ton père était un vrai commissaire, c'est que ce que au Cameroun, même tu es respecté. Le nom reste au Cameroun, hein. Même s'il parle, le nom reste. Voilà les enfants de Kadi. Il est parti, mais le nom est resté. Des congés comme on parle, le nom va rester. On va dire la famille congé comme. La famille Kadi, les noms restent. Les noms restent. Comme le président de MAPP, on va dire la famille Tienga. Le nom reste. Voilà ce qu'on appelle, qu'on dit que graver le nom. Le nom reste. Ton père n'était aucun commissaire. Il était un commissaire de tontine. Ne confonds plus jamais. Il y a le commissaire qui fait dans la police. Il y a le commissaire qui est dans les tontines. Là, on vend les gens. C'est là-bas que ton père était. Ton père était un commissaire tontinard. Pipi, écoute bien ça aujourd'hui. On t'a mal renseigné sur ton père. Ton père était un commissaire tontinard. Le commissaire des tontinards. Donc, il était commissaire dans la tontine. Les tontines de savon et des draps. Avec lui d'arachide. Comme la mère de Mopifé au Cameroun. Ton père était un commissaire de tontine. La tontine, rien que la tontine. Oui. Donc arrête de dire que mon père était commissaire priseur. Commissaire, et puis on te connaît nulle part. Tu ne connais nulle part. On ne te connaît pas au Cameroun, je suis désolé. On ne te reconnaît pas au Cameroun. Même le nom de ton père, si on tape ça à Google, on ne le verra pas. Ton père n'était rien au Cameroun. Il était un commissaire dans les tontines. Les tontines de dimanche soir. Les savons, l'huile, avec les draps. Voilà où ton père était commissaire. Oui. Commissaire des tontines. Il n'était pas commissaire, le Jacques, comme tu nous fais comprendre là, non. Apprenez soit bien prononcer les mots, commissaire priseur. Un commissaire des tontinards. Il était un commissaire de tontinard. Je suis désolé. Regarde, tes parents sont partis. Tu n'as même pas pu donner les guis à ton père. Ta mère est partie, elle n'a même pas mangé, elle n'a même pas été fière de toi. Ta mère est partie malheureuse. Ton père est parti malheureux. Père malheureux, mère malheureuse. La seule personne qui a fait semblant de vouloir sauver la famille, c'est Rêve Minda. C'est Rêve Minda qui a fait semblant de dire qu'elle veut sauver la famille. Ta mère est partie malheureuse, ton père est parti malheureux, pipi. Et c'est une honte pour toi. C'est une honte. Et tu crois que ta vie va donner comment? Ta vie ne va jamais donner. La tombe de ta mère, tu es incapable de mettre les carreaux dessus. Ta mère est enterrée, c'est le bon. Comment on appelle ça? La terre. Donc c'est la terre qui est en haut comme ça. La terre, la colline, le bon. C'est comme ça. Aucun carreau, aucun enclos pour dire que non. Ici repose-t-elle? Rien. Les herbes dessus, les plantes. Les animaux ont chié sur la tombe, ça a fermenté, les arbres ont poussé sur ça. Les arbres, les fleurs. Et tu viens me parler à compresseur. Tu es malade. Tu es folle. Tu es folle. Qu'est-ce que vous montre la tombe de ses parents?
Aucun, elle dit que même pas carrelé. C'est le bon. La terre sur la terre. Des herbes dessus. Et Bangaman du village va te chier là-bas. Il chie sa ferment, tu avais poussé les choses. Regardez sa vie. Regarde ta vie, pipi. La tombe de tes parents, c'est comme ta vie. Malheureuse, pas de goût. Ah ça. Poisseuse, tu es pourquoi tu es poisseuse. Et tu vas finir poisseuse toute ta vie. Tu finiras poisseuse toute ta vie. Tu es une fille de la poisse. Oui. Oui. Tu n'es pas une style de fille que quelqu'un peut dire que vraiment je suis fier de toi. Rien. Pipi, pose-toi les questions aujourd'hui. Écoute bien mon direct ici. Et pose-toi les questions. Écoute bien ce direct et pose-toi les questions. Pose-toi les questions. Que pourquoi ta vie bascule en fait. Pose-toi les questions, pourquoi ta vie bascule? Pourquoi tout a basculé? Pourquoi tout a basculé? Lolo pipi, tes parents sont malheureux. Tes parents ne dorment pas bien. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas briller. Associée encore à la poubelle de Fleur de Lille. Ta vie est un calvaire. Lolo pipi, regarde la tombe de tes parents. Même pas carrelée. Et tu viens parler dans les réseaux sociaux. La tombe est comme ça, le bon. La terre sur la terre. Avec les herbes. Regarde. Les rats ont fait les passages dans la tombe de tes parents. Les rats. Et je parie ici là que si tu parles dans la tombe de ta mère, tu déterres, tu ne vas rien trouver. Mais quand tu enterres le virtuel, quand tu te dis que tu es en train d'enterrer, maintenant, va déterrer, tu vas voir le bois vide, même pas le squelette. Ta mère travaille le con. Tu te mets au défi. Tu gagnes, fais les directs. Demande qu'on pas déterrer la tombe de ta mère, comme ce n'est pas encore, tu n'as peut-être pas carré, c'est rien. Qu'on creuse, tu ne vas rien voir à l'intérieur. Quand on te vend, on t'enterre, on voit comment t'as enterré, non. Maintenant, quand on déterre, il n'y a rien, même pas le squelette, ça disparaît. Parce que tu n'es pas morte. Tu travailles au con. Tu es en train de faire un boulot sans salaire. Et maintenant, si tu la retrouves, tu blesses avec la lame neuve. Elle cale. Mais tu ne dois jamais montrer à ta mère où on l'avait enterré. Tu ne dois jamais la montrer où on l'avait enterré. Elle ne doit jamais voir où on l'avait enterré. Mais, les années qu'elle devait vivre longtemps, c'est coupé. Elle devait maintenant vivre peut-être même 5 ans et mourir maintenant, vrai. Une fois. Oui. Donc, renseigne-toi bien. Tu avais parlé de mon rêve ici, tu as simplifié. Tu as dit oui, c'est vrai. Mets ta vie en prière à partir d'aujourd'hui. Tu es la dernière des blogueuses. C'est une honte pour toi. Hein? Dit, tu es la dernière. Même la veuve joyeuse te dépasse. Nien. Tu es ce qu'on appelle, qu'on dit que la lasse, dernière de la classe. La lasse. Et tu vas venir ouvrir ta bouche pour parler de Nicole ou de ma pépé. Mets ta vie en prière. C'est tout ce que j'avais à te dire pour toi aujourd'hui. Parce que pour moi, tu n'es plus une personne qui peut lancer ma caméra et parler d'elle. Non. Tu as une Tinda, moi je ne réponds plus au Tinda. Je ne clash même pas le Tinda. J'avais un message à te passer aujourd'hui. Comme il t'est passé ce message-là, moi, moi si, lancer encore un direct pour parler de toi, tu changes mon nom. Sauf si c'est pas de Ngoy, et je tape sec là-bas, et je te dose un peu là-bas, mais lancer encore un direct comme il parle, lui, tague-moi Lolo Pipi là, tu ne verras plus. Parce que tu as choisi d'écrire Tinda. Et moi, je ne réponds pas au Tinda. Les cervelles du Cameroun, là, je brosse un peu. Quand il faut. La squatteuse nationale et internationale. Mbopi.
la présidence des tapeuses de canapé dans les magasins. La présidence de SDF au Cameroun. Mbopi, c'est la présidente de SDF au Cameroun, confirmée. Oui. C'est la PSDFC. Présidence. Donc, c'est la présidente, la PSDFC. Présidence de SDF. Donc, tu as dit présidente des sans domicile. X au Cameroun. Hey, maman, les teams aussi. Hein. Hey. Hey. Mbopi dort au magasin chez sa patronne. Elle dort au magasin. Les chambres sont occupées. Les nièces de Flo ont dit qu'ils ne peuvent pas partager la chambre à Mbopi. Elle dort là où Flo garde le plantain. Le magasin où on garde la nourriture, c'est là où Mbopi dort. C'est là où elle dort. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est dit, c'est malheureux. Elle dort au magasin. Dites qu'elle fasse la vidéo dans la chambre où elle dort. Vous allez voir. Vous allez voir les miracles. Qu'elle fasse la vidéo dans la chambre où elle dort. Flo a dit, personne dort à sa chambre, ni pour sa mère. Et c'est bloqué à clé. La chambre de Mahana est bloquée. La chambre de Flo est bloquée. La seule pièce qui est libre, c'est le magasin où on garde la nourriture. Et c'est là où Mbopi a mis son matelas. Elle a dressé là-bas propre. Faut voir comment elle fait les directs. Elle part s'asseoir au couloir. Flo a dit pas de direct. On ne filme pas sa maison dans les réseaux sociaux. Oui. Donc c'est une maison qui est mise sous surveillance. Avec caméra. Donc ne fais pas un truc que tu vas te dépasser demain. On t'a interdit l'accès à la cuisine. Tu n'as pas le droit d'aller fricoter à la cuisine. Tu n'as pas le droit d'allumer le feu et préparer. Quand tu veux manger, tu trouves que les nièces sont là préparées, on te sert, tu manges. Oui. Et le jour qu'il n'y a pas la nourriture, tu restes comme ça. Tu travailles, non? Tu as 45 000 à la fin du mois chez la Dios. Les abeilles avaient le nom. Les abeilles avaient le nom. Mbopilou, un appartement à Bonaprizo, elle n'est pas chez ma reine, mais... Tu vas me tuer sapac. Hein? Moi une sapac. Anita, tu es une sapac. Hein? Donc, Mbopi Lou a bon apprison. Hein? Ah, et moi les ignorantes comme ça. Elle peut lui abonner à prison l'appartement. Hein? Elle est chez Flo à Bonabiri. Elle dort au magasin. Elle n'a même pas le lit qu'on doit. Elle met le matelas est par terre. Le matelas est par terre. Et Flo lui a dit, oh c'est un bopino qui aime l'ambiance, non. Elle peut encore la boîte de nuit, elle connaît bien même. Une fille qui n'a pas d'amis au Cameroun, maman, personne ne veut marcher avec elle au Cameroun, personne. Elle sort seule, elle marche seule. Hein? Personne. Aucune personne ne veut coller son image à Mbopi. Mbopi, c'est une fille de la poisse. Non, Anita, je ne t'insulte pas. C'est que ça me fait juste rire. Tu comprends un peu, non? Mbopi n'est jamais à Bonaprizo. On t'a mal informé. Elle vit à Bonaberry chez Flore. Le tricycle qui a porté les choses de Mbopi pour amener à Bonaberry. Il était jamais mis Mbopi au défi devant tout le monde ici. Qu'elle fasse le direct. Elle retourne à la caméra. Elle montre la maison de Flore derrière. Donc, elle sort de la maison de Flore. Elle continue derrière la maison. Il y a un petit espace là-bas, un peu comme on peut dire un petit truc pour garder les choses. Il n'y a même pas la toiture sur ça. Vous allez voir les choses de Mbopi. C'est posé par terre.
la passoire, la marmite. Eh, les sabots. Ouais, Seigneur. Donc, toute la bouche qu'elle faisait dans Facebook, c'était pour aller squatter, maman. Donc, toute la bouche, c'était pour aller squatter, maman. Ouais. Ah, si, là, oh. Ouais, elle ne savait pas, hein. Donc, toute la bouche, là, la présidente des squatteuses de maison. Hein? Elle squatte sans tabou. Hein? Présidente des squatteuses. Maman, et tu viens parler à ma pépé. Avec quelle audace? Voilà une fille qui parle de ma pépé. Elle squatte. Il t'a dit, Anita, Mbopi, sous ce sur. Je dis que sous ce sur. Quand tu entends dire que sous ce sur, comprends que sous ce sur. Elle est chez Flo. Sous ce sur. Et Flo a donné un délai. Flo a dit, on ne vient pas caler chez elle. Je te dis encore, et j'assume mes propos. Que Flo aille porter plainte. Je dis, et j'assume. Si vous voulez, je demande qu'on trace le numéro de Mbopi. À Orange, je peux quand même, je serais prêt de payer, ça ne coûte pas cher. Je demande qu'on trace, on envoie ça en audio ici. Je peux demander, j'ai son numéro sinon, on trace ses conversations. Vous allez comprendre comment elle a appelé, tous les que ce soit WhatsApp ou audio, on va tracer et m'envoyer les audios là ici. Si je veux faire, c'est vrai le faire. Si je veux fouiller dans sa vie, je peux le faire. Il demande seulement qu'on trace son numéro. Les audios, les appels. On va tout écouter ça ici. Je suis capable de le faire. Mais elle ne me sert à rien. Mais elle dit, écoutez comme vous êtes. Sous ce sur. Sous ce sur. Bon, puis squat chez sa mamoun. Sa mamoun lui a donné les ordres que chez elle, pas trop de direct. Elle n'a pas accès à n'importe quoi, non. Si elle veut un truc, elle demande aux nièces de Flore. Et là où elle dort sur le magasin, on garde les plantes, les macabres. C'est une femme qui montre, non? Elle montre, elle justifie là, je ferme mon téléphone, ne parle plus d'elle. Une chienne. Vous les couvrez quoi? Les abeilles, j'ai pitié de vous. Toi, Ami Dandje, toi, épouser un mari, toi, ta soeur, Chibani Aboumou, a épousé un mari qui a l'argent. Toi-même, tu as l'argent, tu travailles. Tu es incapable de payer un billet d'avion à cette pimbèche qui est au pays. Même lui faire une carte d'identité express, ça vous dépasse. Toi quoi? Ma soeur m'a dit que tu as prononcé mon nom, que mon ami n'a pas de papier, que sa maison est à mon nom. Je suis garante et non locataire. Mais ton mari est parti. Est-ce que je mens alors? Je dis et j'assume mes propos que ton mari aille porter plainte. Je dis et j'assume mes propos. Je dis et j'assume mes propos. Que ton mari aille porter plainte. Anita Ndié. Je dis et j'assume. Waris ne travaille pas. Ses papiers ne lui permettent pas de prendre une maison à son nom. C'est ton mari et non ton ami. Tu prends qui pour un con? C'est ton mari, le vieux blanc là. Le vieux Mukanjo. C'est ton mari là qui a mis son nom dans les affaires de Balata. Mais va porter plainte, non? Tu viens crier seulement ici. Va porter, tu es dans un pays de droit, va porter plainte, que je manque. Et si ça arrive que moi je dis la vérité, tu vas me payer. Quand je me prie à la pub, je ne discute même pas. C'est ton mari qui a mis son nom dans les contrats de bail, de Waris. Même pour la maison qu'il veut prendre là. Ton mari va encore se porter garant. Il va encore se porter garant. Parce que Waris ne travaille pas. Il est pauvre, il est paresseux. Oui. Donc, avant de ouvrir ta bouche, vous venez dire cela. Tu viens me parler, je connais toutes vos vies. Pourquoi? Ça me trouve sur place. Quand tu allais au Cameroun avec tes soeurs, aller prendre les enfants pour les faire venir en Europe. Je connaissais. Je ne connaissais pas. Ça m'a trouvé ici. On m'a appelé au téléphone. J'ai bloqué la personne même. Je ne veux plus écouter les rapportages, n'importe comment. Si elle voulait fouiller dans ta vie, comment elle fait pour savoir que tu as où c'est 41 ans, hein? Où c'est 51 ans qu'on dit que tu as. Comment elle fait pour savoir ça? Ça m'a trouvé ici. Quand on vous dit, vous voulez tout pleurer. En étant, dis-moi, je connais ton vrai nom.
ton vrai profil. Je connais ton vrai profil. Si je suis mauvais, je vais te publier ici, mais ça ne me sert à rien. Vous n'insultez ma paix. Moi, j'ai vu tes photos, Anita, j'ai vu tes photos. Tu n'es pas une belle femme, composant, mais plus belle que toi. Faut dire la vérité. Vous êtes ma pépé tous les jours, mais regardez-vous un peu. Si le souci était méchant, les photos, il y a ton blanc même dessus. Il y a ton mari dessus. Et la TK, c'est une blague, pas tu le connais, non. C'est la guerre comme à la guerre. Donc, si je suis méchant, la vie, je m'en dis que bon, TK, c'est. Voilà, Anita Angela ici qui vous insulte, insultez ma pépé dans les commentaires. Ne pas parce que je ne maîtrise pas. Il m'a dit qu'il t'avait dit que je suis garant, mais le bail est à son nom. Demande à ceux qui vivent. Tu es pathétique, hein, Anita Ndié. Je te dis encore, j'assume mes propos. Ce n'est pas toi qui t'es porté garant. C'est ton mari. Écoute bien comment je parle. C'est ton mari qui loue, qui fait les papiers de la maison de Waris à son nom. Les papiers de la maison de Waris sont au nom de ton mari. Waris et Carole ne pèsent pas pour prendre une maison. Tu ris encore pourquoi? Il est paresseux. Paresseuse. Waris c'est une paresseuse. Regarde la perruque qu'elle a portée où c'est hier, maman. C'est lui qui est gros, sale, moche. Avec les vieilles perruques sur la tête. Les vieilles perruques. Hein? Les vieilles perruques. Ton mari a eu pitié de lui, il est parti signer à son nom. Hein? Parce que le mari de Chibani Abomo, ta soeur, qui a appelé Waris d'aller travailler au vignoble, qui n'a pas porté les fruits, les raisins, ça l'a dépassé. Qui n'a pas fait le ramassage des raisins, ça l'a dépassé. Paresseux. Un gros paresseux. Toby, le travail a fait mal au dos. Hein. Voilà un homme comme ça. Hein. Le travail a fait mal au dos. Un homme qui dit que le... ouais, Anita, tu te moques encore de ce gars jusqu'à ce même plus bon. Il a montré mes fiches de paye. Hein, non. Il a montré si le nom sonne aux fiches de paye. Il est bloqué de partout. Il dit que. Il lui est bloqué sur WhatsApp. Peut-être qu'il n'y a pas que c'est la blague. Alors ça, non. J'ai bloqué ton balacon. J'ai bloqué cette merde. J'ai bloqué ça de partout. J'ai bloqué ça de partout. Il est où ici? Voilà ça. Regarde. La preuve que c'est moi qui l'a bloqué parce que regarde. Il est bloqué au téléphone. Il est bloqué. Il ne m'appelle plus jamais. Je vais te montrer. La preuve que c'est moi qui le bloque. Regarde bien. Voilà son profil. Vous avez bloqué. Tu vois. C'est lui ici, non? Voilà son profil, non? Vous qui avez son numéro là, vous connaissez son profil. Voilà ça ici. Avec son numéro dessus. Maintenant on dit quoi? Regardez. Vous avez bloqué ce contact. Appuyez pour le débloquer. Jamais. Hein? Regarde. Il est bloqué, pleure. Il m'a clashé pour rien parce que lui est bloqué. Il dit qu'il défend Virus Didier. Virus Didier, moi, dans notre guerre à TikTok, parce qu'elle insulte ma pépé. Alors j'ai traité Virus Didier, il est venu m'insulter. Et elle dit c'est bon. C'est bon pour ses morveux. C'est bon. Mais ça ne chauffe pas. Tu ne peux pas insulter une femme qu'on compose, qu'elle est stérile. Oh, ses fesses ont fait ceci, elle fait cela. Et tu veux qu'on pleure pour toi. C'est bon. C'est bon pour ses morveux, ses gosses qui sont partis en fumée. Bon, j'assume même Dieu pas me punir, maman. Vous mentez, même Dieu pas me punir le jassi parce que elle insulte ma pépé. Elle dit comment ma pépé n'a pas les enfants. Oh, machin. Oh, ma pépé a fait ceci. Oh, ma donc, et on va la caresser. Tu aimes trop Virus Naughty. Hein? C'est bon pour elle. Oh, c'est bon. C'est pas méchant. Je vous le sais. On se prend après, non, mais c'est à ceux-là qui ont partagé, qui ont mis les cœurs.